château dans le ciel ou pas? Oui. Ah bon, vous avez vu le degré de poésie de l'affaire quand même, hein? Rentrez pas avec les gros sabots sur les harmonies, hein, s'il vous plaît, au début. Hein? C'est pas South Park, hein, c'est le château dans le ciel, les gars. Hein? Encore une fois. Il faut jouer le Glockenspiel, mais c'est Louisa peut-être qui le joue. La transition entre les premières mesures qui étaient pleines de poésie et puis ce début A qui était moins poétique. Hein, on va refaire ça s'il vous plaît, maintenant que c'est plus clair. D'avions et il a lu Jules Verne, etc. Il est vachement inspiré par le mouvement steampunk, hein, qui groupe l'ambiance de fin du 19e siècle, vous savez aussi bien que moi, avec une ambiance post-industrielle. Et tout ce passage-là, ça évoque justement ça, en fait, au niveau des images. On quitte l'aspect grandiose du début pour rentrer dans quelque chose à nouveau beaucoup plus mélancolique, en fait, parce que c'est le rapport à l'enfance, le rapport au père, etc. Enfin, bon, relisez Freud, si ces questions-là vous intéressent. Mais ça raconte ça, vous voyez ce que je veux dire. Et les clarinettes, par contre, un petit peu plus de précision réduite que vous risquerez mieux, à mon avis, à partir de B suivant. Mettez des accents sur l'accroche à chaque fois. Hein. Ça va aider à clarifier ça rythmiquement. Est-ce qu'on peut entendre ça, s'il vous plaît, les clarinettes avec les saxophones alto à partir de B? Faites les ré seulement. Ré, 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 ré. En relais, comme écrit, mais enlevez toutes les notes à l'intérieur. M. Faites tourner ça un petit peu. Rajoutez les notes à l'intérieur. De l'affaire, c'est ré, 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 ré. Avec tout le monde. Ah, hey. Sur le dernier temps, le maintien en l'air, sans, je ne vous indique pas la fin de cette note, elle est vraiment brève. Décompose, je crois que ça sera un peu difficile. Sur si tu restes la baguette en l'air, les gens vont partir. Là. Et okay. D'accord. Tu donnes l'espace que tu veux donner, mais en étant okay. Bien précis. Ah.
voit là de E jusqu'à 4e de F. Sentez-vous très libre hein, dans cette interprétation là de ces notes courtes, dans l'imitation du chant des oiseaux. Hein, plus ça sera dans ce sens-là, plus ça marchera. Hein. Dans la mesure où vous êtes soliste, de toute façon, ça ne marchera pas sur les pieds. Est-ce que je peux entendre, s'il vous plaît, flûte, piccolo, hautbois, petite clarinette et saxophone soprane. Il me faudra saxophone soprane hein, à terre. À 61. Ça, par contre, très précis, parce que vous les placez ensemble, hein, votre titre. Tagadagadam, 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 etc., etc. On fait ça une fois plus lentement. 3 et 4 et 1 et... Et on a du hautbois aussi à chaque fois qui intervient. Ceux qui interviennent, vous imitez un peu les chants d'oiseaux. Ne vous excusez pas en jouant ça, parce que sinon, vous allez souffrir, et peut-être même nous aussi, hein, là-dessus. Hein. Donc jouez ça fort et vite. Pareil, des chants d'oiseaux, quoi. Hein. Hey. Enchaînons après. Pam, 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 pam. On y va. Je vous rappelle la règle immuable dans ces mesures irrégulières, c'est qu'il faut beaucoup plus de rebond sur le temps ternaire. Pam, 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 pam. Le mettre en valeur, ce temps ternaire, qui a le bon goût de tomber en fin de mesure en plus. Pam, 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 pam. Sinon, c'est mou, hein. Pam, 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 pam. Hein, faut que ça soit
Sacre du printemps, hein, dans le style. Ou Bartok. Ah, hey. Un saxophone pour me jouer la défaut de hautbois, s'il vous plaît, AS. M. Est-ce qu'on peut faire ces premières mesures, s'il vous plaît, plus lentement? Cette première mesure que tout le monde entende un petit peu où il rentre, au bois, enfin saxophone alto, basson, et ensuite clarinette. Pam, 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 pam. On entend ça lentement, le V2S, 1, et hop. Encore plusieurs fois que ça devient évident, 1, et hop. Encore la même chose, un peu plus vite, 1, et hop. Merci, on essaie au tempo s'il vous plaît. 1, et hop. Comme c'est un peu baroqueux cette affaire, et ben on va faire le ralenti baroque, c'est-à-dire au dernier moment, quoi, hein. Mais un petit ralenti quand même. Baroque, mais le baroque un peu à la Michel Legrand, là, le baroque d'Empodane, vous voyez, c'est un peu ce style-là de baroque. Il faut ce clin d'œil là, hein, musical. Et c'est pareil de mesure plus loin. C'est pas ce que vous avez dans l'oreille, mais lisez vraiment ce que ça va partir. La levée de T. Sinon, regardez-le, il y a quand même une portée philosophique là-dessus, sur le passage de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, de la fin de l'innocence, etc. C'est des questions qui sont très très profondes, hein, et que je pense tous à des échelles différentes avec votre vécu, etc. On a tous vécu ces choses-là, hein, on connaît, donc elle raconte ça, cette musique. Donc derrière ce thème qui peut paraître un petit peu simple, en fait, il y a une portée émotionnelle énorme. Donc mettez-la, hein, dedans. Et un truc beaucoup plus concret pour réussir à faire quelque chose de d'émouvant, respirez moins, hein. Mélangez les respirations et enchaînez par carillon de 8. Évidemment, et enchaînez sans respirer.